STV, your TV. Monsieur, bonsoir. Merci à nouveau d'être nombreux à regarder cette édition de Entretien avec. Le 10 janvier 2017, Gaga Amanadi débarque dans le Nord-Ouest et rencontre une querelle de personnalités. Nous sommes en plein cœur de la crise anglophone. Sa mission se poursuit dans le Sud-Ouest. Autorités administratives, hommes politiques, leaders syndicaux, membres du consortium, membres de la société civile anglophone, clergé, toutes les portes lui sont ouvertes. La presse en fait l'écho, l'opinion s'interroge, mais lui reste imperturbable. 4 mois après, l'école n'a toujours pas repris en zone anglophone, les avocats sont toujours en grève, le mot d'ordre de Villemorte est toujours observé. À quoi aura donc servi sa mission? Quelles en sont les conclusions? Qu'en pense le président de la République? Ces questions seront abondamment évoquées ce soir avec l'ancien ministre d'État, désormais président de l'Alliance pour la démocratie et le développement. Sous cette casquette d'ailleurs, certains auraient perçu chez lui une lueur de candidature pour la présidentielle de 2018 lors d'un point de presse qu'il a donné à Yaoundé. Il va également donner des précisions là-dessus. Nommé ministre de la fonction publique et de la réforme administrative en 1990, il démissionne le 27 août 1992 alors qu'il venait d'exprimer sa volonté de lutter ou d'accentuer la lutte contre la corruption dans l'administration publique. En 92, justement, on le retrouve également aux côtés de Ni John Frondi comme directeur de campagne. Et là, si je me trompe, il me corrigera dans une seconde. C'était effectivement à l'occasion de la présidentielle de cette année-là. Fort de son expérience dans les renseignements, il est tout aussi à l'aise sur les questions économiques, puisque licencié en droit et sciences économiques, également titulaire d'un DES de sciences politiques, diplômé de l'ENAM, c'est Issa Yaoundé, et de l'IIAP, c'est à Paris en France. Il exerce au ministère des Finances, à la fonction publique, à la SONEL, à l'IREGA, avant d'être nommé administrateur, directeur général de la Boston Bank Cameroun, puis ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Il a aussi dirigé l'organisation non gouvernementale Bonne Gouvernance, qui remet assez souvent le prix Mo Ibrahim, dont les lauréats sont les chefs d'État qui se sont démarqués à travers une meilleure gouvernance. Le réformiste ou chasseur de baleines, comme l'appellent certains, il a déjà été 2 fois candidat à l'élection présidentielle. Avec Gaga Amanadi, donc, on parlera de la crise anglophone, de politique, notamment des élections de 2018, des droits de l'homme, du problème énergétique, du CFA, de la bonne gouvernance et de bien d'autres sujets. Déjà installé dans le mythique fauteuil rouge, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le député. Merci à nouveau d'être sur ce fauteuil rouge. La dernière fois que vous y étiez, ça fait un peu plus d'un an, c'était le 10 mars 2016. Je suis très heureux, évidemment, que vous ayez à nouveau accepté et que vous soyez rendu disponible. Je suis également heureux d'être en face de vous. C'est clair que l'actualité nous l'impose. Mais si vous en avez convenance, hein, sans plus tarder, je voudrais commencer avec une question, évidemment, qui a susciter des interrogations. Je souhaite que la caméra, la réalisation nous envoie cette image. On va aller du côté de Yaoundé, justement. C'était le 6 janvier dernier. Monsieur le ministre, vous allez regarder l'image. Hein. Alors, le président de la République, après avoir reçu les vœux des différents corps constitués et des personnalités, évidemment, a fait le tour de ses hôtes. Et entre autres personnalités, c'est vous. Du dos, là, on va certainement mieux voir tout à l'heure quand vous serez de face. Le président s'entretient entre autres avec vous hein, à l'occasion de cette. Voilà. À ce moment-là, que vous dit le président de la République? Ben, les gens sont souvent surpris quand le président s'approche de moi, me parle et généralement me parle de manière à la fois particulière et affectueuse. Cela ne fait pas 3 ans ou 10 ans que nous nous connaissons. Nous nous connaissons depuis plus de 40 ans, bientôt depuis 50 ans.
Depuis que j'ai démarré, et lui démarrait, parce qu'il est revenu de France en 62, et moi, j'étais encore à la préfecture de Yagoua. Mais mon premier arrêté de nomination officielle de commissaire spécial de l'actuel Adamawa, je crois qu'il avait signé l'ampliation de cet arrêté présidentiel. Donc, depuis ce temps, il doit connaître ce nom, d'autant plus que j'ai remplacé, comme commissaire spécial de l'Adamawa, Bidjo Benjamin, qui était de la famille de Vomeka. Donc, rien que ça, ça permet de nouer, mais nos liens sont devenus, je n'ose pas dire fraternels, mais ça ne me gênerait pas. Mais en tout cas, de haute estime, surtout de mon côté et même du sien, mais surtout d'affection réciproque. Et le président, donc, a une fois de plus montré qu'il a confiance en moi. Parce que quand, en 84, il y a eu le coup d'État, c'est les nordistes qui étaient indexés. Pendant que certains étaient en train d'aller à Kodengi, moi, il m'a nommé directeur général de la Banque de Boston. Et c'est la première fois qu'un Camerounais était nommé directement directeur général, sans transiter par le poste de directeur général adjoint. Je reste le symbole. Sous l'Ebia. De façon générale. Tous les airs jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, donc, il n'y a pas à être surpris. C'est un processus enclenché depuis des décennies. Et je crois que ce processus, malgré tout ce qui s'est passé, il continue et nos relations continuent. Bien que j'ai un parti et que j'ai été son concurrent à deux reprises, en 2004 et en 2011. Et à deux reprises, j'ai montré quand même que je méritais d'être candidat, surtout qu'en 2004, j'étais quatrième. En 2011, Erekam dit que j'étais deuxième. La Cour suprême dit que j'étais troisième. Dans tous les cas, c'est parmi les bons rangs. Voilà donc les liens. Absolument. Et le président avait même plaisanté en 2011. En Égypte, j'étais devant lui. Et à la réception du jour, le jour où il prêtait serment, il me pointait du doigt de 6 mètres de moi en disant « L'homme qui m'a battu en Égypte, vous voyez la proximité et ça me fait plaisir. » L'homme qui vous a battu en Égypte, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que j'étais premier en Égypte au résultat. La présidentielle. D'accord. Il était classé derrière moi. Une fois quand même, je suis devant un président de la République, c'est un honneur. Alors, ces précisions sur les liens, les liens aussi longtemps, comme vous venez de le dire, qui vous unissent. Je reviens sur la question de départ. Que vous dit exactement Paul Biya le 6 janvier 2017? Alors, le 10 janvier 2017, vraiment, c'était pathétique. Il faisait la ronde comme d'habitude. Et il arrive à mon niveau, il s'est saisi de mes deux mains. Je ne dis pas d'un bras, je ne dis pas de mes deux mains. Et il s'est saisi de ces mains-là de manière forte. Et il me fixe. D'habitude, il me dit « Monsieur Garga » ou « Monsieur le ministre ». Ce jour-là, il dit « Garga, ce qui se passe à Bamenda, il faut que vous alliez me régler ça. Garga, allez me ramener Bamenda. » Si j'étais le genre trop sensible aux larmes faciles, j'aurais même laissé couler quelques larmes. C'était pathétique. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, je m'engage et j'y vais. Le 9 janvier, dans la nuit, je suis parti avec mon neveu, sans garde-corps, sans rien, sans demander à l'État le moindre véhicule, le moindre sou, le moindre carburant. Et j'ai fait le tour des deux régions et je suis vraiment satisfait de cette mission. Était-ce donc une mission de médiation, de conciliation, de négociation Comment avez-vous qualifié cette mission? Justement, il y a une précision à apporter parce que je me souviens, quand j'étais allé, en même temps, il y avait une mission officielle, celle-là, dirigée par le Premier ministre, avec une marmaille de ministres qui l'accompagnaient. Je baptise leur mission de pompiers. Ils étaient allés
pour calmer la grève et des avocats et des enseignants, croyant pouvoir les convaincre. Or, moi, j'ai compris ma mission comme étant une mission d'étude en profondeur du problème anglophone pour trouver des solutions définitives et durables, et surtout des solutions raisonnables et non des solutions politiciennes. Et je crois que ma mission a porté, et je suis d'autant plus content que partout où je suis passé, les personnalités que j'ai rencontrées m'ont non seulement bien accueilli et ont apprécié que le président de la République m'ait envoyé en disant que toi au moins on sait que tu dis la vérité et que tu ne vas pas nous raconter des bobards comme les autres. Et je me souviens, Frundi, parce que j'ai lui aussi rendu visite, d'accord, il me dit, tu sais pourquoi le président t'a envoyé? Parce qu'il te fait confiance, plus qu'il ne fait confiance à son gouvernement, c'est sa manière ou de saluer ou de boycotter la mission. D'accord. Donc, des fonds, des clergés, des chefs traditionnels, des syndicalistes eux-mêmes, aussi bien les avocats, les enseignants, j'en suis sorti heureux et fier d'être Camerounais. Combien de temps avez-vous passé dans ces zones? D'abord à Bamenda, combien de temps vous avez... Je suis parti le 9, d'accord, de ma maison des Sosses à Yaoundé à 18h pour arriver à Bamenda le lendemain à 5h30 du matin. Non pas que j'ai roulé doucement, mais entre Babadjou et Santa, et ma voiture est très basse. J'ai roulé, je ne sais pas à quelle vitesse. Donc, je suis arrivé, je n'ai pas dormi toute la nuit, ce n'est pas là mon problème, j'étais parti pour réussir. Et comme par hasard, le jour de mon arrivée, il y avait une réunion à Ayaba Hotel, des grévistes, notamment des lawyers, des avocats. Et je ne sais pas qui leur a dit que j'étais là. Et ils m'ont invité à entrer dans la salle de leur réunion. Et ils ont même mis un gros fauteuil, comme pour un peu me rouler. Et ils m'ont dit, comme si je devais présider la réunion. J'ai dit non, je dois avoir la même dimension de fauteuil que le vôtre. Et c'était Agbor Bala Félix. Président du consortium à l'époque. Président du consortium, j'ai mis le gros fauteuil de côté, je me suis assis. Et je leur ai expliqué le sens de l'unité nationale. Je leur ai dit, vous dites vous êtes marginalisés. Moi, je suis de l'extrême nord. J'ai été directeur de campagne de Frundi qui est du nord-ouest, qui est anglophone. Moi, je suis francophone. Encore que je suis bilingue, moi. Deuxièmement, c'est l'année de 92 où on a parlé de victoire volée. Cela veut dire que nord plus nord-ouest ont été ensemble sans qu'il y ait eu la moindre grève, sans qu'il y ait eu un sentiment, une sensation même de marginalisation ou d'exclusion. Alors, je leur ai expliqué tout ça. Ils étaient convaincus, mais vers la fin, ils disent tout ça, c'est très bien, mais dis-nous, si tu acceptes le retour à la fédération avec un drapeau à deux étoiles. J'ai dit, je ne suis pas venu pour cette mission-là. Et ils ont dit, dans ce cas, on suspend. Comme si la réunion était convoquée pour mon entrée dans leur salle. Et ils ont suspendu, on est parti. Et réellement, ce n'est pas tout. Concrètement, oui, que vous ont-ils dit dans leurs revendications? Non, dans leurs revendications, c'est celles que vous connaissez. Okay. En réalité, je crois qu'il faut relever plusieurs choses. Un, il y a le problème des avocats. Il y a ce qu'ils appellent la common law. Si vous rapprochez le sens de la common law avec le système français, c'est la notion de jurisprudence. Nous, la jurisprudence vient d'en haut. C'est-à-dire, en France, c'est ce que le Conseil d'État arrête en dernier ressort sur un problème donné quand il y a eu des recours. Que cela devient une jurisprudence applicable à toutes les juridictions inférieures. Là-bas, c'est l'inverse. La jurisprudence ne vient pas d'en haut. Si un tribunal rend un jugement sur un cas précis,
tout ce qui est semblable à ce cas qui se produirait quelque part dans la région. Et que ce jugement s'est révélé comme étant le meilleur en la circonstance. On s'en inspire. C'est celui-là qui va servir de jurisprudence. Voilà. Et ça, j'ai pris des leçons. Je remercie le procureur général de Bamenda, à qui j'ai demandé de m'enseigner la différence. Et il m'a donné tous les détails. Et il est diplômé de Londres et de tout ce que vous voulez. Et j'ai compris la différence. Entre nous, il n'y a pas de différence. Il s'agit de prendre le meilleur jugement qui soit pour que celui-ci soit étendu Absolument. À tous les autres jugements semblables. Bon, donc, c'est pas un ça, point c'est de sur discorde. La question des avocats. Ensuite. Ça, c'est les avocats, la common law. Voilà, c'est. Deuxièmement, il y a le problème des enseignants, ce qu'ils appellent le sous-système éducatif. Ils disent que jusqu'à présent, ils se sentent phagocytés par le système d'enseignement francophone. Et leur mouture ancienne est en train de disparaître. Et cette phagocytose, ils n'en veulent plus. Et ils ont pris un exemple, le système LMD. Ils disent que ce système LMD finira par faire disparaître le système PhD. LMD, licence, maîtrise, doctorat. Et là-bas, PhD, c'est à peu près le même niveau. Mais je crois que c'est un problème à la fois de sensibilité personnelle, de refus d'être absorbé, d'être phagocyté, et surtout du désir de vivre sa différence. Voilà ce que je crois avoir recueilli dans ce système d'enseignement. Et arrive le troisième point, c'est-à-dire les problèmes d'exclusion. Ils disent que les francophones les envahissent dans la préfectorale, dans la magistrature, et comme notamment au niveau du common law, certains magistrats formés à l'ENAM ne maîtrisent pas le système du common law, alors que c'est celui-là qui doit être appliqué là-bas. On ne devait pas envoyer cela. Et puis les préfets, pareil. Et certains parlent un anglais du pidgin ou ne parlent pas du tout, mais imposent leur volonté. Or, eux, ils sont habitués à la concertation pour qu'on se comprenne. Et surtout, souvenez-vous que là-bas, il y avait une assemblée des chefs traditionnels qui était un organe législatif. Et ce préfet vient supplanter tout cela et en parlant français. Ça les révoltait en quelque sorte. Il y a des cas, c'est des problèmes de sensibilité, c'est des problèmes surtout, je crois, de susceptibilité. Dans un cas comme dans l'autre, il appartient à l'État de ramener le calme et que les gens sachent pourquoi je me suis compris avec eux. Je me comprenais parfaitement aussi bien avec Abor Bala Félix, le président du consortium, avec Tasson, le président du syndicat des enseignants, qu'avec les autres de tout ce monde-là, Simon Mounzou, il m'a expliqué, il m'a dit, Monsieur le ministre, je ne vais pas vous mentir. Nous savons jusqu'où nous n'irons pas dans nos revendications. Ça dit tout. C'est-à-dire, quand il y a une revendication, il y a un rapport de force. Chacun prend la plus grande distance pour qu'on se rencontre au milieu. Et en disant, nous savons jusqu'où nous n'irons pas. Cela veut dire que, en fait, l'histoire de fédération, ils m'ont dit, les chefs traditionnels, les gens, les personnalités les plus réputées que j'ai rencontrées, tout ce monde-là m'a dit, ça ne fait pas 4%, ça ne fait pas 10% d'anglophones qui veulent de la sécession. Et c'est du sûr. Mais, quand on veut discuter, il faut parfois prendre le large là-bas pour Absolument. Qu'on revienne et trouver le terrain proportion. D'entendre. Alors, si la réalisation est prête, je voudrais qu'on essaye de parcourir quelques photos qu'on a pu avoir. Voilà, Monsieur le ministre, Je vous invite à les commenter. Hein. Oui. Là, c'est notamment à Bamenda. Ça, j'ai été rendre visite au chairman Frudi, avec qui je suis à l'aise.
Si vous voyez un corset le main dans la main, bien qu'il soit leader de l'opposition, et c'est bien qu'il m'a envoyé, mais il me reçoit très bien chez lui. D'accord. Donc, je n'ai aucun problème avec Frondi. Et que vous dit Frondi sur la question? Non, Frondi, il évite la question elle-même. Okay. Mais il boycotte l'arrivée des ministres. Il dit, si on t'a envoyé, parce que Biya n'a pas confiance à ses ministres. C'est pour ça qu'il a plus confiance en toi qu'à ses ministres. Ça, c'est la seule chose que j'ai pu retenir de tous ses propos. Bon, entre nous. Donc, vous estimez qu'il ne veut pas s'engager à pleinement? Il ne le dit pas, mais qui en tirerait profit. D'accord. Parce que s'il s'engage, on dira que c'est lui qui est derrière. S'il ne s'engage pas et que ça réussit, je crois que c'est lui qui tirerait les barons du feu. Donc, il était dans une position confortable. Un bon politicien. Il n'a jamais voulu parler. Si on peut voir la photo d'après. Voilà. Là, je suis avec le fonds de Bali, l'un des plus sérieux parmi les fonds de je ne dis pas du Nord-Ouest ou de l'Ouest. Et il est en même temps sénateur. Et je vous signale que c'était un multilingue. On est en train de parler du bilinguisme. Ce monsieur parle français, anglais, allemand, toutes les langues du monde. Et il est PhD là où il est. Et il est sénateur. Et il m'a donné la situation politique réelle du Nord-Ouest. Et avec des appréciations sur des personnalités du coin. Mais j'ai retenu une phrase, il dit dans ton rapport, tu diras au président. Il a dit qu'il est l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun. Mais dis-lui que je souhaiterais qu'il dise aussi qu'il aura été l'homme qui a réglé le problème anglophone. Je crois qu'il m'entend et je crois qu'il a compris que j'ai fait la commission. Et vous disiez que dans le rapport. Vous disiez qu'il a fait une appréciation des personnalités politiques. Qu'en dit-il? Ça me gêne de dire parce que toutes les appréciations n'étaient pas favorables à certaines personnalités. et parmi ces personnes, il y en a qui étaient justement du groupe de ceux qui étaient envoyés. Quand il n'est pas le seul. Vous savez, j'ai fait les renseignements généraux. Qui dit renseignements généraux dit renseignements politiques. Je suis entré un peu dans tous les coins. D'ailleurs, j'étais en relation également avec les autorités de renseignement, avec le gouverneur que j'apprécie et que je salue en passant, Lélé l'Afrique. Mais tout ce monde-là, j'ai essayé de tester sans leur poser directement. J'ai vu qu'il y a un malaise. Et le malaise est né d'une personnalité d'abord à Yaoundé qui les a insultés proprement en disant qu'ils sont financés par l'extérieur. Il a les numéros du ministre Tangandji. Je ne sais pas qui c'est, mais... Vous savez qu'elle a quand même été longuement citée après sa sortie. Chez nos confrères de Vision Car. Justement, à Tangandji, bon, chacun a ses réactions. Certaines sont brutes, d'autres sont sournoises, mais lui, il l'a dit directement. Et là, c'est moins les locaux qui lui en veulent que ceux qui sont à l'étranger. Si on a coupé l'Internet, c'est à cause des genres des propos de Tangandji qui s'attaquent aux ressources qui seraient venues de l'extérieur, notamment de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Bon, je ne sais pas s'il a des preuves. Eh bien, je ne sais pas rapprocher à la loi qui a raison, qui a tort. Bon, mais ça devait être approfondi parce que quand une personnalité de ce niveau, de cette dimension le dit, on devait vérifier et la véracité de ses propos et le poids financier des apports extérieurs. Parce que les apports extérieurs sont à même de déstabiliser un régime. Mais si un parent envoie à son fils, je ne sais quel téléphone portable, je ne vois pas en quoi ça sert. Donc, on aurait dû vérifier pour savoir jusqu'où il faut croire telle personnalité dans ses propos et jusqu'où l'extérieur est impliqué. Parce que c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis où on dit qu'ils logeaient le plus d'extrémistes. J'étais même entré en contact avec des extrémistes, notamment ceux de Grande-Bretagne, mais je n'ai pas réussi à voir ça. J'ai prié qu'on les mette en contact avec moi. Ils n'ont pas voulu. Ils disent, c'est un autre vendu qui est tellement intelligent qu'on n'arrive pas à découvrir qu'il est vendu. Photo d'après. Alors là, c'est le cardinal. On ne peut pas dire que vous êtes très bon photographe. Hein.
Elle a été prise par vous. C'est moi qui ai pris la photo. C'était juste pour rire, mais allons-y. Et cette photo, alors, l'heure n'est pas marquée. Je suis allé à Manfé. D'accord. Manfé, c'est à une centaine de kilomètres de Bamenda et de nuit. Arrivé là-bas, tous les évêques de la zone étaient en conférence épiscopale là-bas. Mais arrivé là-bas, j'ai trouvé qu'ils étaient dans les villages environnants. J'étais devenu comme un gardien de nuit. Je suis resté à la procure et j'attendais qu'ils reviennent. C'est à 23 heures qu'ils sont revenus, qu'il s'agisse du cardinal Toumi, de Monseigneur Cléda, etc. Ils m'ont trouvé là, assis. Et le cardinal qui me connaît, ainsi que le Monseigneur Cléda. Mais j'ai dit non, mais je vous attendais. Et ils m'ont accueilli. Et je suis resté de 23h à 1h du matin à discuter avec le cardinal Toumi, qui m'a donné les indications utiles pour régler ce problème, qui en réalité, avec un peu de compréhension et de sens et de discernement, qui n'est pas un grand problème. Donc, voilà ce que j'ai fait. Lui également, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, principalement, il dit qu'il faut le dialogue. Ça, c'est un mot passe-partout. Mais la plupart d'entre eux m'ont parlé de dialogue, non pas sous ce vocable-là, mais ils veulent une commission paritaire, moitié anglophone, moitié francophone, qui aborderait point par point chacun des trois points, notamment dont j'ai parlé, la justice, les affectations, le sous-système éducatif, et la marginalisation, c'est-à-dire le fait qu'il soit écarté de certains postes de responsabilité. Alors, parfois, je les réplique. Vous dites, vous n'avez pas de ministre de Défense. Nous, de l'extrême nord, nous sommes la première puissance électorale du Cameroun. Mais nous n'avons jamais eu de ministre de Défense. Le ministre Amadou Ali était à la Défense, secrétaire d'État à la gendarmerie. Je ne sais même pas s'il est de l'extrême nord. Quand il était là-bas, il était à la gendarmerie. Hein? Alors, donc, et en tout cas, si on fait le poids électoral, le poids politique d'une région par rapport à l'autre, je leur ai dit, il y en a qui se plaindraient plus que d'autres. Donc, n'entrons pas dans ces détails, voyons l'essentiel qui nous unit. Bon, mais en réalité, ce qu'ils veulent, au-delà de l'histoire du drapeau, des étoiles, de la sécession, j'ai rencontré Aya Paul à son domicile avant de partir. Et il m'a tout expliqué. C'est lui qui est parmi les leaders de la sécession. Il n'est pas prêt à la sécession lui-même, Aya Paul, qui est à la Cour suprême. Mais ce qu'ils veulent, c'est que la constitution de 96 soit appliquée. Or, cette constitution a prévu des régions. Les régions ont été partiellement créées. Le code électoral Cameroun a prévu des conditions d'élection des conseillers régionaux. Mais on n'a pas créé les régions. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que les régions actuelles sont transformées en régions prévues par la constitution de 96. Les limites peuvent changer. Les attributions doivent être fixées. Les ressources de ces régions doivent être déterminées. Et le rôle de l'État central doit être défini par rapport aux régions. La tutelle doit-elle exister ou non? Et ce qu'ils veulent, le vrai problème, c'est les régions autonomes. Et je me suis même amusé à dire, attention, dans mon programme du parti, j'ai prévu cela. Mais j'ai dit, les régions peuvent, si elles le désirent, s'affilier, s'unir, fusionner entre elles, sans que le total ne soit inférieur à 4. À la condition toutefois que dans chacune des régions qui veulent le fusionner, qu'il y ait une majorité de 2/3 de gens qui acceptent une telle fusion. Par exemple, le Grand Nord peut fusionner, le Grand Sud peut fusionner, le littoral et l'Ouest peuvent fusionner, le Sud-Ouest et l'Est. Il y a un qui dit non, nous ne voulons pas.
nous préférons avec le littoral. L'histoire de savoir. Bon, chacun est libre, mais je ne dis pas que ce qu'il a dit est prééminent par rapport à ce que d'autres ont soutenu. Voilà un cas au niveau de la forme de l'État. Je vous dis et je vous répète qu'ils ne sont pas là pour la sécession. Ils n'en veulent pas. Plus de 90% ne veulent même pas entendre parler. Mais il faut aussi du tact à nos autorités. Qu'elles ne prennent pas la peur de ceci ou de... Il n'y aura personne qui ira rejoindre les Ibos du Niger. Nous sommes déjà... Quand je parle du sud-ouest, je suis à l'hôtel Sawa. Je viens de rencontrer l'ancien premier. Dès qu'il m'a vu, il a couru... On est comme des camarades, c'est mon grand frère. Mais on s'aime comme si on était des frères. Quand je rencontre un Assoumofor, qui était mon camarade de classe, et même Azoukon vient d'enlever hier. Fonkamazo. Je vous dis, dire que nous allons nous dissocier, c'est pas possible. C'est une vue de l'esprit. Alors, je souhaite qu'on commente la photo d'après. La photo d'après, c'est moi. Félix Agbobala, maître. Agbobala, ce monsieur, il m'a permis de m'adresser à toute la grande salle de leur réunion de vendredi à Kumba. Parce qu'ils étaient presque 1000 dans la salle. Et il m'a dit, tu viens délivrer ton message. Mais nous te donnons seulement 10 minutes. Ça ne m'a pas gêné parce qu'à l'ENAM, les conférences de méthode que nous avions ne devaient pas durer plus de 10 minutes. Et à l'oral, nous n'avions pas plus de 10 minutes d'exposé. J'étais à l'aise. Et je leur ai parlé. Puis j'ai dit, je suis bilingue. Je leur ai parlé en anglais. En 10 minutes, j'ai été applaudi 3 fois. Non pas hué, mais applaudi. Ça veut dire qu'ils ont approuvé ce que j'ai dit. Ça veut dire que cette histoire n'est pas compliquée. Et j'ai dit dans mon rapport au président une phrase. Monsieur le président, ce problème est soluble sans qu'il y ait la moindre déchirure du territoire camerounais. Il suffit qu'il y ait cette commission paritaire et je suis prêt à vous indiquer des gens bien de l'autre côté. Photo d'après. Ah, là, je suis à son domicile. Ça, c'est le fond de Victor Moukété. Chief Moukété. Chief Moukété est l'un des artisans de la réunification. Ce que les gens ne savent pas, ce monsieur était ministre fédéral au Nigeria avant la réunification. Donc, si malgré cette bonne position dans un vaste pays d'Afrique, il a préféré la réunification, c'est qu'il était sincère. Et il a écrit un livre, je vous le montrerai, il a écrit un livre de 770 pages, qu'il a intitulé « Mon Odyssée ». Je crois que vous connaissez Homère, l'Iliade et l'Odyssée de Homère. « Mon Odyssée », voilà ce que j'ai fait pour parvenir avec d'autres collègues à la réunification. Et si la question... Il en reste fier et il m'a reçu mieux qu'un parent. Et si la question précise des revendications, qu'en dit-il, qu'en pense-t-il? Les revendications, lui, il sait qu'il n'y aura pas de sécession. Le mot n'est pas dans sa bouche. Deuxièmement, il dit qu'il suffit que les gens s'entendent, qu'il y ait un dialogue pour qu'on clarifie certaines situations et les gens se comprendront mieux. Et si les régions autonomes concrétisent la révision de la Constitution de 1996, je crois que chaque région sera responsable de la gestion de ses problèmes et non que Yaoundé dicte tout, parfois à tort et à travers, et souvent contre certaines régions au profit d'autres. Mais bon, ce monsieur, il est le doyen du Sénat. Et il est un monsieur. Vous entrez dans sa maison, vous savez que vous êtes chez quelqu'un. Il y a lui et le fond de Bali qui m'ont impressionné dans leur demeure. C'est des gens qui ont construit pour le futur. Pas le futur immédiat. Mais je ne dis pas que ça sera comme les pyramides d'Égypte, mais vraiment, c'est des gens qui ont construit l'avenir. Alors, vous êtes rentré de cette mission-là, vous avez rendu compte au président.
Oui. Un rapport de combien de pages, sensiblement? Bon, c'est pas un secret, le nombre de pages importe peu, mais c'est 9 pages saisies par moi-même. Parce que le secret, vous aviez peur des fuites? Mais je n'ai pas à livrer aux gens. Absolument. Ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, avec qui je l'ai fait. C'est moi qui ai saisi, Dieu merci, je sais saisir. C'est moi qui ai imprimé et j'ai remis à même propre au directeur de cabinet civil. Et le directeur de cabinet civil a dépêché un véhicule, c'était un samedi, direct sur Vomeka, amener le rapport. Et j'étais content parce que j'ai dit, s'ils sont si pressés, c'est qu'ils attachent l'importance à ma mission. Et comme cette mission n'est pas une mission de pompier, c'est une mission de réflexion, je crois que ce que j'ai suggéré, une bonne partie va être appliquée. Et quels sont les axes justement de vos suggestions au chef de l'État? Non, mais vous savez, il y a des solutions qui existent déjà. J'ai parlé des régions. Le conseil électoral, le code électoral a prévu comment on élit les conseillers régionaux. Il faut créer les régions et dire quelles sont leurs ressources, quelles sont leurs limites, quels sont leurs rapports avec l'État central. Ce n'est pas compliqué. Ça, c'est un. Deux, l'histoire de la common law. J'ai suivi que le ministre de la Justice a dit qu'il va. Ce qu'il dit ne tient pas juridiquement debout, je m'excuse, c'est un grand frère. Mais la Cour suprême est régie par une loi. Ce n'est pas par un décret, encore moins par une instruction d'un ministre. S'il faut que l'enseignement de la common law soit dans le programme LENAM, ça n'a pas besoin de loi. Moi, quand j'étais à l'ENAM, j'ai fait l'économie. J'ai fait le droit administratif, j'ai fait. Mais ici, on a introduit, d'ailleurs, à l'université, pour ceux qui sont de mon âge, Madame Marticou nous enseignait le droit civil. Monsieur, comment il s'appelle, nous enseignait la common law à l'université de Yaoundé. Donc, il ne s'agit pas de créer des divisions à l'intérieur d'une école, mais d'enseigner tout le monde la même chose. Un fonctionnaire de Deido, affecté à Akwaya, doit savoir ce que le fonctionnaire de la même promotion est en train de faire à Kusiri ou à Yokadouma. Donc, vraiment, créer une section à la Cour suprême, non. Il s'agit de nous unir et de nous, et non de consacrer notre séparation. Alors, entre-temps, vous l'avez dit d'ailleurs aussi, le président, du moins le gouvernement, a pris un ensemble de mesures pour répondre aux revendications sectorielles, oui. Enseignement et justice. Oui. Avez-vous le sentiment que dans cette initiative-là, le président vous a suivi dans votre démarche, dans vos propositions? Non, le président n'a pas encore répondu à mes propositions. Je lui ai fait des propositions, j'ai dit que c'est des études en profondeur. Tant que cette commission paritaire ne se sera pas tenue, le président ne pourra pas prendre une décision. Je vous donne un exemple. En 1991, quand on criait de toutes parts qu'il faut des conférences nationales souveraines, c'était à la mode. C'était en Afrique, partout. Et nous étions en plein dans les villes mortes. À Douala. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le président, il s'est taisé, il le regardait. Et moi, j'étais au gouvernement. Je lui ai écrit, j'ai dit, monsieur le président, nous avons eu une succession de modes. Mode d'accession à l'indépendance. Mode d'acquisition du pouvoir par le biais des coups d'État. Mode d'acquisition du pouvoir, maintenant arrive la mode de conférence nationale souveraine. Monsieur le Président, c'est à nous de vous suggérer ce que nous en pensons. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas inquiéter. Les accepter avec aveuglement, c'est comme si on en avait peur. Les rejeter, c'est comme si les accepter, c'est comme si nous étions des peureux. Trouvons le juste milieu avec la réflexion, on trouvera. Et je suggérerais, vous avez initié la commission des libertés qui a réussi. Je suggère qu'une autre commission du genre se tienne et nous aurons résolu, et c'est à la suite de cela que la tripartite a été créée. Pas du fait de ma seule proposition, je suis sûr que d'autres ont dû contribuer. Donc ici aussi, je ne donne pas un délai, mais le président ne peut pas m'envoyer
pour classer les dossiers. S'il faut classer, il y a les archives nationales. Il n'a pas besoin de classement. Et il m'a toujours pris au sérieux. Il sait que je ne lui manque jamais. Et il sait que quand il me donne un travail, je le fais en profondeur. Il reste néanmoins que sur le terrain, l'école n'a pas véritablement repris. Les avocats annoncent qu'ils seront prétoires le 2 mai, même si des grincements de dents autour de cette sortie du bâtonnier de l'ordre se sont fait entendre. Les villes mortes persistent. Vous, quel regard vous jetez à cela? J'ai dit qu'il y avait deux missions. Une mission de pompiers et une mission d'études en profondeur. La mienne, c'est de procéder à des études en profondeur pour la solution future et définitive du problème, pas d'anglophones, mais de notre unité nationale. Ce qui se passe, que les gens aient repris ou n'aient pas repris, ça c'est les pompiers qui n'ont pas pu éteindre toutes les étincelles. Et là, je remercie encore mes collègues. Vous savez, il y a eu des morts avant. Quand le président a dit publiquement Garga va à Bamenda, les gens savaient que le président m'a envoyé, n'est-ce pas? Et j'étais pris au sérieux. J'ai téléphoné à nos autorités chargées du maintien de l'ordre. J'ai dit, mes chers frères, voilà ce que je voudrais vous dire. Chez les Foulbés, on dit, pour qu'on casse une calebasse, il faut qu'il y ait deux forces contraires, tirant chacune de son côté. Et ici, je voudrais qu'on applique ce principe de calebasse. Si les forces de l'ordre sortent pour chasser les manifestants, ça fera deux forces contraires. Je suggérerais que les forces de l'ordre restent dans les casernes et s'occupent rien que des édifices publics et laissent la voie libre aux autres manifestants. Et vous verrez qu'il y aura, depuis cette date, il n'y a jamais eu le moindre blessé entre forces de l'ordre et civils. Il n'y a jamais eu de mort. Ça veut dire que rien que pour ça, la mission aura été positive et elle aura rapporté. Et ça, le gouverneur, le ministre de la Défense, etc., m'ont même dit que ta suggestion était intéressante. Ça veut dire qu'ils en ont tenu compte. N'empêche, sur le plan de la justice, les leaders, notamment du consortium, le maître Félix Ababala, le docteur Fontaine-Neba et bien d'autres, restent poursuivis devant le tribunal militaire. Exact. Alors, je ne vais pas révéler le contenu de mon rapport, mais la troisième partie du rapport, c'est des propositions, des suggestions. Et le premier point, j'ai de suggérer au président de faire libérer tout ce monde, d'approfondir l'enquête et de procéder à l'arrestation de ceux qui auraient fait des crimes de sang. Mais si c'est des crimes d'opinion, enfin des infractions touchant à l'opinion, à la résistance à l'oppression supposée, qu'on les relâche. C'est ma première proposition. Et d'ailleurs, je n'ai pas peur de le dire, Aya Paul m'envoie sa famille pour me demander des suggestions. Et je lui ai même suggéré de faire telle chose. Et ça, son fils m'a dit, mais comme il est très pris au sérieux là-bas, c'est que vous risquez de le dénaturer. J'ai dit non. Mais ton père n'ira pas au Nigeria. Donc, faisons ce que j'ai dit. Donc, à Gorbala, nous nous sommes montés plus que liés. Je ne voudrais pas que ce monde parte. Et puis, si chaque fois qu'on manifeste, on doit se séparer, ça veut dire qu'on empêche aux gens de penser. Liberté de penser, liberté de manifestation, ça va de pair. Et être grand, c'est savoir résoudre les différences et les écarts. Absolument. Oui. N'empêche qu'aujourd'hui, à Yaoundé, au Palais des Congrès, la commission Moussongé, hein, la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été installée par le Premier ministre. Alors, vous connaissez les hommes qui la composent, je crois une quinzaine. Vous connaissez les problèmes. Avez-vous le sentiment que cette commission pourra être à la hauteur des missions qui lui sont confiées? Bon, d'abord, cette mission, le président, où il l'a décidé tout seul, je m'en doute, on lui a suggéré de la créer. Et cette commission, je ne la vois pas travailler. Et si elle travaille, je ne vois pas comment elle va travailler. On dit bilinguisme et multiculturalisme. Très bien. Je cherche les critères
sur la base desquels cette commission va travailler. Multiculture, la culture, d'abord la langue fait partie de la culture. Quand on dit bilinguisme, ça veut dire deux langues. Moi, je parle au moins quatre. Le français, l'anglais, le fulfulde, même le douala. Topo douala, Emaneni. Natopi, la somme. Alors donc, j'ai dit, il y a un problème de définition. Et puis, être une commission biculturelle, qu'est-ce qu'on va inculquer à X et à Y pour être multiculturel? Et ensuite, il y a deux éléments contradictoires. La Constitution a dit que le Cameroun est un pays bilingue et les deux langues sont d'égale importance. Pourquoi créer une commission? Est-ce qu'elle va être supérieure à la Constitution? Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 61. Deux, on a créé un ministère de la culture. C'est ce ministère qui doit faire foisonner nos cultures, nous rapprocher pour que nous connaissions les uns et les autres. Aujourd'hui, vous me dites tel nom. Je vous place d'abord. Vous dites, vous êtes Kandem, je dis, vous êtes Bam. Vous êtes Tchafak, je vous dis, vous êtes Tchang. Vous êtes Dipita, je dis, vous êtes Deido. Ou Ekwala, vous êtes Deido. Vous êtes... c'est tout simplement ce que je m'ouvre aux autres. J'essaie de comprendre, j'essaie de me faire comprendre. Et on échange. Et c'est ça qu'il faut. Et puis... quand vous suivez les émissions françaises, et notamment dans France 2, on sort telle phrase, tel lève le doigt et dit c'est tel. Tel mot, on dit il s'écrit comme ça. Mais c'est des choses comme ça qui nous unissent, qui nous rapprochent, qu'il faut chercher, et non que je danse le bikouti d'un côté et que le tout pourri de Yagua, au lieu de danser le gourna, aille danser. Je ne sais quelle danse mamineke. Non. Il faut c'est l'entente, c'est l'osmose. L'osmose peut ne pas venir même de la culture. Les êtres humains peuvent créer leur propre culture indépendante des précédentes. Nous évoluons. Nous sortons des moules coloniales d'où nous avons été fabriqués. Donc pour vous, sur la conception même de la mission, il y a déjà des problèmes. Il y a des problèmes. Donc, il y a de même là, des contradictions. Tout est réuni pour qu'elle ne réussisse pas sa mission. Elle ne réussira pas. En tout cas, de mon côté, moi, je suis déjà au-dessus de ce qu'ils vont faire. Je rencontre un douana, je peux lui dire, toi, j'ai 14 langues au Cameroun, je peux dire bonjour, merci, au revoir. Dans 14 langues. Cette commission n'a jamais été créée avant cela. Vous comprenez? Donc, toujours est-il que, sur le plan du contentieux, les anglophones pensent que les relents ou les incompréhensions de 1961, Fumban, ne sont pas encore évacués. Et certains pensent, mais à partir de là, ils disent tous que si les régions deviennent autonomes, pour eux, le problème sera résolu. Alors, mais tout sera le contenu de cette autonomie. Et ce contenu sera discuté en commission paritaire. S'ils le font, que ce soit Fumban ou avant Fumban, je crois que le problème sera résolu et définitivement enterré. Si la réalisation le permet, on va parcourir quelques-uns des livres. Peut-être qu'on va commencer avec mon Odyssée. Oui. De Victor Mouketé, on va essayer de les parcourir, ces documents-là. Vous nous en dites un mot. Vous l'avez parcouru, vous également. Oui, je ne peux pas les parcourir à 100% parce qu'il fait 170 pages. Histoire de la réunification du Cameroun. Oui, non, il intitule le livre « Mon Odyssée ». D'accord. Bon, pour ceux qui ont fait les études classiques, l'Iliade et les histoires Homère, l'Iliade, l'Odyssée, ils savent que c'est la traversée de la Méditerranée dans les temps antiques. Ça dit que c'était toute une odyssée. Et lui, il dit, voilà ce que j'ai fait pour la réunification du Cameroun. Et il a détaillé ses photos en tant que ministre de la justice fédérale au Nigeria, sont dans ses livres. Et il a montré qu'on peut s'effacer derrière un intérêt communautaire ou commun. Et je crois que c'est un bon exemple et que ces livres-là tracent. Ah, d'ailleurs, quelques-unes des photos, là. Oui. Là, je pense que c'est la résolution de la question Bakassi.
avec l'ancien secrétaire général Kofi Annan, l'ancien président Obasanjo du Nigeria et Paul Biya, le président de la République. Je crois qu'on était en juin 2006. Alors, en notre livre, d'ailleurs le vôtre, qui revient notamment sur la forme de l'État et des régions, si on peut également avoir vous. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette question-là? Et d'ailleurs, je l'ai dit, vous l'avez mis dans un livre. Exact. Je l'ai écrit dans ce que nous appelons le programme politique du parti que je dirige. J'ai pensé à la forme de l'État. J'ai parlé de ces régions autonomes dans mon livre. Je crois que c'est de la page 91. En tout cas, dès qu'on commence le livre, ainsi pourrait devenir notre... On va à la page de matière, on trouvera où est-ce que j'en ai parlé. Et j'ai dit que on garde les régions actuelles, on leur donne un contenu, on crée des conseils régionaux, des attributions régionales, qui doit faire quoi? Tel type de route revient à quelle autorité, à quelle institution, quelles ressources viendraient de quel côté, et on finit par bâtir des régions autonomes avec des moyens propres, avec des assemblées élues, des exécutifs locaux. Et à ce moment, il y aura une sorte de rivalité entre les régions, à condition que le partage des ressources soit équitable. Dernièrement, le MINAT a fixé un indice de répartition de ressources du FECOM entre les différentes communes, et j'ai trouvé que c'est une excellente idée. Et cette idée, c'est celle-là qu'il faudra étendre également aux régions à créer. Et je vous dis qu'une fois que ça sera fait, avoir des sénateurs qui partent pour parler des régions qui n'existent pas. Ce sénateur-là, s'il était président de la région ou s'il était membre de l'Assemblée régionale, il aurait été mille fois plus utile pour sa région, pour le Cameroun, qu'ils les laissons aujourd'hui à corriger des virgules donc, de l'Assemblée. Donc, soit dit en passant, pour vous, le Sénat n'a pas d'importance. Ce n'est pas prévu dans le programme là-dedans. Il n'y a pas de Sénat. Alors, on a abordé la question politique parlant justement de votre livre. Nous sommes exactement à 18 mois d'octobre 2018. Ce qui pourrait coïncider avec la période de la présidentielle. Vous avez réuni la presse en septembre 2016. Exact. D'ailleurs, en votre domicile à Yaoundé. Oui. Question précise pour réponse précise. Oui. Gaga Amanadi est-il candidat pour la prochaine élection? Cette question m'avait été posée et j'avais dit que je n'exclus pas cette hypothèse. Ah, monsieur le ministre, j'ai pas fini. Je ne suis pas le genre qui veut parler le langage de bois. J'ai été à l'élection présidentielle deux fois. La première fois, j'étais sorti quatrième. La deuxième fois, je suis deuxième selon Elecam à la sortie des urnes et troisième selon la Cour suprême. D'ailleurs, il est parti à la retraite. Vous comprenez? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller chercher la première place? Chercher à être premier. D'abord, quand on demande à mes camarades de l'école primaire ou du secondaire, je ne suis pas habitué à être deuxième. Je suis habitué à être plus premier que deuxième. Et la place de troisième que j'occupe selon la Cour suprême, ce n'est pas ma place habituelle. Et je vais vous dire, dans quatre régions, aux dernières élections, j'étais derrière Biya. L'extrême nord, j'étais deuxième. Le nord, j'étais deuxième. L'Adama, j'étais deuxième. L'Est, j'étais deuxième. Nous sommes dans le littoral, qui est l'une des plus peuplées des régions. Je suis troisième. Dans le centre, celle qui vient après l'extrême nord, je suis troisième. Et ça, malgré les intrigues et tout ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un avait joué et qui a lamentablement échoué, je suis arrivé à ce stade. Qu'est-ce qui m'empêche d'être candidat en 2018? J'ai les aptitudes intellectuelles, physiques et tout. Même si je passe à 30 millions de cautions, eh bien, je serai candidat. Donc, cette fois-ci, je le dis et, moi, je le répète, vous êtes témoin. Donc, je suis tenté de conclure, vous l'avez d'ailleurs dit. Oui. Je retiens que vous êtes candidat pour 2018. Je suis candidat et je risque d'être élu et je serai élu. Sauf si Biya reste encore. Or, je pense que... Mais pourquoi sauf si Biya reste? Parce que avec sa avec tous les touriféraires de son parti,
qui vont vous éliminer à nouveau. Ils n'éliminent personne. Ils s'accaparent. Je vous dis, quand on dit les partis représentés à l'Assemblée nationale à des derniers pas, c'était Géry. Vous savez ce qui est arrivé? Non, du tout. En 92, l'ADD a présenté une liste à Guider. La liste ADD était admise. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les commissions départementales, où les partis sont représentés, etc. L'un des candidats du RDPC a pris 2 millions, séance tenante a donné à ma représentante. Et elle a signé, on a inversé les résultats. Qui est en réalité représenté à l'Assemblée nationale au titre du Mayo Nouti en 92, en 92, je crois. C'est nous. C'est pas le RDPC. Donc, s'il faut falsifier, personne ne peut être premier. Monsieur le ministre, oui. J'avoue que je n'aime pas souvent faire ce genre de comparaison, mais quand c'est bien, oui. Il faut quand même le reconnaître. Allez-y. En France, oui. Nous sommes en passe d'avoir un président oui. de 39 ans et plus. Oui, oui. Donc, oui. Le deuxième tour, c'est dans quelques jours. Oui, oui. D'ailleurs, il sera de moins de 50 ans, quel que oui. soit le vainqueur, puisque les oui. deux ont moins de 50 ans. Oui. La question de l'âge ne vous pose-t-elle pas problème? Mais la question, Biya a 80, je ne sais pas combien. 85. D'années. Trump a 65, 15 ans. Biya a 84, je corrige. Bon, Trump. Et il commande la première puissance mondiale. Vous comprenez? Les gens amènent cette histoire d'âge à cause de qui? À cause de deux individus qui se portent candidats ces jours-ci. Tel dit, j'ai été enseignant. Mais l'enseignant est un salarié. Il est parti pour avoir son salaire. Que ses élèves, contents de ses cours, les lisent. Et ça va s'arrêter là. Et ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'il va tuer son père. Nous ne sommes pas dans un système de... Nous ne sommes pas avec Brutus où on a dit « Tout, quoi est fini, toi aussi mon fils. » Alors, je crois qu'il faut éliminer cela. L'intellect, c'est ça qui prévaut. Quelqu'un qui est jeune, qui est idiot, ou paresseux, ou sans imagination, il sert à quoi sinon à être sous l'ombre et à faire le Congo ça. Quelqu'un qui est intelligent, qui, même Bouteflika dit hier, l'Algérie, on n'a pas appris qu'il y a un coup d'État. Alors. Et on n'a pas dit que l'économie algérienne a baissé, attention. Et le président. Mais est-ce que l'exemple de Bouteflika est-il le meilleur? Je n'ai pas fini. De tout moment, il n'est pas le pire. Il y a parfois, les tombes même dépassent certains présidents vivants. Alors, quand vous prenez la Tunisie, le président a été élu, il avait 88 ans. Vous comprenez? C'est la capacité intellectuelle, physique, surtout le patriotisme de la personne, surtout son désir d'être utile. Il y en a qui veulent être président parce qu'ils sont des illustres inconnus et ils veulent se faire connaître. Non, il faut avoir un esprit de générosité. En quoi je serai utile à mon âge? Qu'est-ce que je ferai pour le Cameroun pour que moi aussi je laisse des traces positives? Voilà ce qui devait diriger une candidature. Avez-vous le sentiment que vous ne pouvez être utile que si vous êtes président de la République? Non, pas que. Aujourd'hui, vous m'avez invité. Pourquoi vous m'avez invité? Vous n'avez pas invité quelqu'un de Deido. Mais tout simplement parce que vous estimez que celui-ci mérite d'être invité. Absolument. Donc, sur ce plan précis, je suis utile. Et ce que je fais, on a parlé de la tripartite, on a parlé de la mission que le président m'a confiée. Mais ça montre que je suis utile encore. Mais cela doit être prorogé et en bien... en ayant mes capacités, ma liberté d'action, et vous verrez ce que je peux faire pour ce pays. Mais vous avez l'habitude, ou régulièrement, oui. lors des précédents scrutins, d'ailleurs oui. vous l'avez refait ce soir, oui. vous avez l'habitude de dénoncer l'organisation des élections. Oui. Il y a deux jours, je crois, on a changé, il y a eu des réaménagements de personnes oui. Oui. au niveau de l'organe qui mm-hmm. gère les élections et les câbles, oui. avec l'arrivée d'un ancien gouverneur, oui. qui par ailleurs, après son magistère, comme gouverneur, est reparti à l'administration territoriale mm-hmm. dans l'administration centrale mm-hmm. avant d'être nommé à ILECA, mais désormais le directeur général, je vous dis, l'ancien gouverneur Eno Abraham Edmé. Oui. Est-ce que cela vous rassure? Est-ce que le président de la République n'est pas justement en train de mettre les derniers maillons de son puzzle pour être sûr que
Vous savez, j'ai dit à plusieurs reprises, je suis allé voir Azou, je suis allé voir Tanimou. Je leur ai dit, si vous voulez que votre organe soit utile, il faut qu'on vous rende responsable de l'organisation des élections, des inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats. S'ils sont responsables et seuls responsables, même par crainte pour eux ou pour leur famille, ils seront obligés de mener les opérations électorales à bonne fin. Mais si vous mélangez, vous savez là où ça se gagne le plus souvent, c'est les commissions départementales. C'est là où on met du n'importe quoi comme membre, notamment l'administration territoriale, qui croit que servir un homme, c'est servir un pays. C'est faux. Et puis, cette hiérarchie bigarrée, c'est pas ça qui fait un pays. Donc, vous estimez que les fonctionnaires sont au service de l'homme bien et non de... Je n'ai pas dit les fonctionnaires, certains fonctionnaires. Il y a toujours des turiféraires. Moi, je suis fonctionnaire. Administrateur civil principal, hors tout, n'est-ce pas? Mais j'ai dit au président ce que je pense. Et il accepte ce que je pense. Parfois, d'autres sont en train de trottiner pour qui n'arrivent même pas à se faire entendre ni à se faire recevoir. Vous comprenez? Il faut savoir distinguer les choses. Les turiféraires, un jour, le président m'a entretenu. Je lui ai dit, le jour où il m'a nommé ministre, j'ai dit, monsieur le président, je ferai tout ce que vous me direz en tant que votre ministre pour mener votre politique. Sauf une chose, je ne sais pas être griot. Et il m'a développé une philosophie sur le griotisme à tel enseigne qu'aujourd'hui, quand je vois certains qui vont du griotisme, je me demande pourquoi si c'était n'est pas certain? En train de sourire. Pourquoi c'était certain? Mais, vous savez, les griots au Cameroun, ce n'est pas ce qui manque le plus. Hein. Dans le gouvernement, il y en a? Mais il y en a partout, même dans les journalistes. Trois noms? Dans le gouvernement. Toi. Alors, je vois bien que vous avez... non, c'est la vérité. En fait, chacun est fabriqué à sa manière. Il y a des gens qui ont la notion d'humilité, d'intégrité, de sens de l'honneur. Et il y en a qui n'ont pas le sens de l'honneur. C'est des êtres qui sont en train de vivoter. Hein? Et puis, qui ne savent même pas quel sens ils donnent à leur vie. Quand on est vivant pour faire quoi? Manger, boire, dormir, aller à la boîte même n'existe plus vers l'hôtel Lindé ou bien Black and White. Non, il faut chercher à être utile. Utile pas à soi seulement, mais utile au pays, utile aux autres. Parfois, quand je passe, je vois des gens qui tendent la main, qui n'ont aucun moyen. Je m'arrête et je leur donne le paix que j'ai. Ça, je pense que je suis utile pour cela. On l'a dit dans vos interventions précédentes. Oui. En 92, vous étiez le directeur de campagne de Ni Jeune Fondé. Exact. Alors, dans cette campagne pour la conquête du pouvoir, pensez-vous que l'opposition peut faire front commun pour aller contre le RDPC, par exemple? Non, justement, les gens font une erreur. Pour qu'il y ait démocratie, il faut deux conditions, l'une ou l'autre. Ou bien avoir un pays démocratique avec bipartisan, c'est-à-dire deux partis comme en Grande-Bretagne. C'est-à-dire où vous êtes avec A ou vous êtes avec B. Absolument. Et vous choisissez celui qui a le meilleur programme et les meilleures aptitudes. Ou bien, à défaut du bipartisme, créer un système électoral de tout comme en France. C'est-à-dire, soyez 1000 partis si vous voulez, allez vous mesurer au premier tour et retenons les deux premiers au deuxième tour et que chacun s'allie derrière qui il veut et on va faire la concurrence. À ce moment, le peuple choisit qui il veut et celui-là aura forcément la majorité absolue derrière lui. Mais quand un président est élu avec 25% parce qu'il est dans un système multipartisan qui n'est pas démocratique, ça ne sert à, ce n'est pas une élection, c'est un jeu d'enfant. Et j'insiste sur cette histoire d'élection à deux tours. Si Frondi avait réussi en 92 à se placer là où il était, n'est-ce pas? C'est parce qu'il avait quand même son groupe et moi. Je venais de démissionner, j'avais toutes les couronnes, pas des piles comme certains, sur la tête. Et
ma part, la sienne, ajoutée, Frundi était, avait gagné la Stolen Victory. Voilà. Appelait sa victoire ou victoire volée ou gagnée, mais il l'avait. Et la Cour suprême a dit autre chose, sur le plan des libertés. Oui, la Cour suprême a dit, Gargassi, est-ce que tu peux me donner le milliard qu'on me donne, toi, là? Sur le plan des libertés. Oui. La justice militaire vient de condamner. Oui. Ahmed Abba, oui. Le correspondant à Langaoussa de RFI. J'ai suivi. Au Cameroun, oui. 10 ans de prison ferme, oui. 85 000 euros d'amende, oui. Environ 55 oui. millions. Hein. Oui. Alors, pour non-dénonciation d'actes de terrorisme mm-hmm. et blanchiment d'actes de terrorisme, entre autres, mm-hmm. la presse doit-elle craindre pour l'avenir? Non, d'abord, cette condamnation, ce n'est pas parce que vous êtes journaliste, mais cette condamnation ne me convainc pas. Pourquoi? Si Mohamed Abba obtenait des informations sur Boko Haram et qu'il les diffusait sur les antennes de RFI, c'est parce qu'il les avait cherchées. J'ai fait un peu de renseignements dans ma vie. Mais il appartenait, nous avons 4 organes chargés de renseignements. Le renseignement militaire, le renseignement de la DGRE, le renseignement de la Sûreté nationale, et les renseignements de la gendarmerie nationale. Vous comprenez? Le tact de l'homme de renseignement, c'est de tout faire pour essayer de tacler celui qui a le bon renseignement. Il devait s'organiser en entendant les reportages de ces messieurs-là et de dire, mais au lieu de chercher ces clans, cherchons celui-ci. Et ils allaient obtenir sa source. Et il se serait accroché à cette source. Il ne faut pas se décharger de ses responsabilités échouées sur un journaliste qui n'a fait que... Parce que vous dites, il y a le journalisme d'investigation. Absolument. Il faisait un journalisme d'investigation qui n'est pas interdit au Cameroun. Les services de renseignement font des renseignements d'investigation. Qu'est-ce qui les a empêchés de trouver ce que Mohamed Abba a trouvé? Donc, je ne suis pas d'accord qu'on condamne X et qu'on laisse l'échec des autres. Et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Je l'ai dit aussi bien sur Radio Maroua que je crois sur Canal 2 qu'il faut la recherche du renseignement à l'extérieur. Et ce n'est que par là que nous pouvons circonscrire, contourner Boko Haram. Mais on restait dans sa chambre et on dit que Mohamed Abba a diffusé ceci. Et s'il diffusait après. Alors, sur un autre front, le Cameroun, roi du noir, oui. le gouvernement a choisi pour essayer de résoudre la question énergétique. Le gouvernement a opté pour la construction des barrages. Lompanga, mm-hmm. Beking et bien d'autres qui vont certainement mm-hmm. contribuer à accroître l'offre. Va-t-on sortir de ce marasme finalement? Vous y croyez-vous? Non, d'abord, ce qui se passe en ces mois me surprend. Je suis au moins content qu'enfin le barrage de Natigal puisse un jour espérer voir le jour. J'ai toujours souhaité, dans mon livre du programme de l'ADD, j'ai dit que la construction du barrage est un impératif. Qu'est-ce qui se passe en ces moments? J'ai l'impression qu'on construit des barrages pour distribuer des indemnisations aux populations amies. Vous prenez Memvélé. Par rapport à Natigal, Memvélé ne représente rien. Le nombre de mégas de puissance installés à Songloulou serait inférieur au nombre de mégas de puissance installés à Natigal. Natigal plus Songloulou suffirait largement pour tout le sud du Cameroun. L'Agdo, il y a encore, j'ai été voir, moi je vois, je vérifie, je ne parle pas dans l'air. Le barrage Lagdo, c'est dans une colline. Et il y a le fleuve qui passe entre deux berges de colline. On peut encore percer de part et d'autre du barrage actuel pour mettre deux turbines. On met deux turbines plus celles qui existent, tout le Nord aura son énergie. Je ne suis pas ingénieur, mais on n'a pas besoin de passer par Polytechnique ou par l'École centrale de Paris pour réfléchir. Alors, Natigal, vous savez, un jour, je l'ai dit, je ne sais pas si c'est à votre antenne ou à Canal 2,
la réaction que j'ai eue des populations de la Lekki, c'est pas sûr l'énergie qui va être produite. Ils ont dit, voilà quelqu'un qui parle bien. Nous aussi, nous aurons des indemnisations. Et ce qui se passe en matière de... Quand on a construit Bamendjin, Songloulou, Mbakao, Tshifidi à Guider, Tchanaga à Mokolo, on n'a jamais indemnisé un franc à quelqu'un. Dernièrement, je ne sais pas, quel premier ministre est allé réveiller une histoire de 1983 où la Sonel avait fait des études, avait fait le barrage. Le premier ministre a signé un décret d'indemnisation en 2013. J'ai dit 83-2013. Pendant ces temps, les cultures sous-jacentes étaient pourries. Absolument. Qui peut retrouver les limites du champ ou la propriété de X ou de Y? C'est une mafia qui est en train que vous dénoncez, évidemment. Et moi, je ne crois qu'au barrage de Natigal. Le jour où ce barrage sort, je vous dis, Sud-Cameroun est parfaitement tranquille. Le jour où on ajoute des tribunes à l'Agdo, nous aurons résolu. Et cela ne nous empêche pas de continuer de faire des recherches. Et puis, l'énergie. On nous a dit qu'il y a du pétrole à Ouassa. Ça, je le sais depuis au moins 30-40 ans. Qui a fait les recherches de faisabilité? Même si c'est du 3 fils que nous obtenons, ça allait atténuer le délétage que nous vivons en ce moment. Non, on laisse ça. L'or que nous avons à l'Est, on laisse les Chinois exporter ça. On ne prend pas les choses au sérieux. Voilà, c'est pourquoi je suis candidat. Et je sais que ces choses, si je vois les dilapidations d'argent de notre budget, de nos finances publiques, par rapport aux besoins des Camerounais, je vous jure, si on réduisait même d'un cinquième cette dilapidation, le coût de la vie baisserait et le niveau de vie des Camerounais s'élèverait. Augmenterait. Vous parlez justement de finances, on va parler du franc CFA. Oui. On y reste, on en sort. Aucun problème. On n'est pas de... Non, le franc CFA, il ne s'agit pas de sortir pour sortir. C'est la matière monétaire. Vous savez, je crois qu'il y a... c'est Friedman qui a dit « La monnaie est une chose trop sérieuse pour être laissée rien qu'aux financiers. » Comme quelqu'un a dit, la politique est très sérieuse pour être laissée aux militaires. C'est à peu près ce parallélisme-là. Le franc CFA, en lui-même, c'est de l'argent. Mais il faut savoir comment on crée la monnaie. Il ne s'agit pas de mettre, d'écrire 100 francs ou 10 000 francs sur un papier. Il faut que ce papier soit gagé, soit appuyé par une garantie de valeur. Cette garantie vient de nos importations et de nos exportations. Pour ceux qui n'ont pas fait d'économie, quand vous importez quelque chose des États-Unis, de la Chine, ce n'est pas avec le franc CFA que vous achetez le produit. C'est avec la monnaie de ce pays. Le dollar. Et pour que vous puissiez avoir cette monnaie, vous échangez vos francs CFA contre cette monnaie. Or, si on veut acheter le cacao, le café, le bois chez nous, c'est avec le franc CFA. Et aussi, ils cherchent à acquérir le franc CFA. C'est ça qui constitue le panier de devises. Vous puisez dans vos devises pour importer et ils puissent dans leurs devises pour importer nos produits. À partir de ce moment, il se pose un problème de poids, des échanges commerciaux. Ce n'est pas le Cameroun seul qui doit faire son franc CFA. Le Nigeria a le Naira qui vaut ce qu'il vaut, mais il existe. Si les francophones, là, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, etc., décidaient de faire une monnaie, mais dans mon livre, vous verrez que moi, je veux une monnaie unique africaine, dans le monde africain. Une monnaie unique africaine. Nous avons toutes les garanties pour que cette monnaie, à aucune bourse de valeur, ne puisse descendre. Mais les gens, ou ne maîtrisent pas la matière monétaire, ou bien sont légers. Donc vous estimez que c'est un faux débat? Ce n'est pas, c'est un débat non approfondi. D'accord. Ou bien c'est un débat entretenu
par Vous faites de la politique politicienne. Des plaisantins qui ne connaissent rien en matière monétaire. L'émission monétaire, ce n'est pas un rouleau de papier qu'on tourne. Si tout est calculé, il y a des indices de fabrication de monnaie. Il y a l'influence de la monnaie dans l'économie. Dernièrement, j'ai vu l'histoire de téléphone. On dit, vous pouvez payer vos impôts par... Mais en soustrayant de l'économie nationale le flux monétaire, vous cessez d'entretenir la base. Vous comprenez? Et surtout que nous sommes dans la zone CEMAC. La zone CEMAC signifie que c'est une zone monétaire où la monnaie, la valeur monétaire ne doit être fixée que par les pays membres. Absolument. Le Cameroun a pris une loi en faisant de la monnaie électronique une monnaie, sans que ça soit un acte de la CEMAC, ce qui est irrégulier et irresponsable. Donc il y a beaucoup de problèmes de monnaie, mais le franc CFA, tel qu'il est, il peut sortir, mais il ne s'agit pas de sortir pour sortir. Il faut réfléchir, et nous avons des économistes, pas ceux qui tambourinent à longueur de journée, qui ne comprennent rien à rien. Sur la question de l'endettement, oui. Au début des années 2000, oui. Nous avons été éligibles au programme PPTE, Pays Pauvres Très Endettés, oui. Ce qui nous a permis complètement de nous défaire de notre dette ou alors d'une très bonne partie de la dette. Oui. Curieusement, nous sommes en 2017, nous sommes dans un processus d'investissement accéléré avec des grands projets pour l'émergence en 2035. Mmh. Et du coup, les signaux sont en train de s'illuminer pour dire attention à votre endettement. Vous partagez la même crainte des économistes? Non, c'est-à-dire, pour faire une chose, il faut toujours la simplifier. D'accord. Quand vous allez à une banque, vous demandez du crédit. C'est ça l'endettement. Absolument. Vous demandez du crédit, le banquier va dire, attendez, je vais procéder à l'analyse de votre bilan. Je veux voir le haut de votre bilan, c'est-à-dire l'actif contre le passif, mais le haut signifie les immobilisations d'un côté, le capital de l'autre, etc. Et on voit votre capacité à rembourser. Si votre capacité à rembourser en empruntant est suffisante, on vous donne le crédit, on sait qu'on sera remboursé. Si votre capacité de remboursement est insuffisante, on dit attendez, on va voir. Bon, maintenant, il y a d'autres méthodes. La Banque mondiale, la BED ou le Fonds monétaire peuvent dire nous allons vous soutenir. Et servirait de garantie pour que vous empruntiez. Mais une garantie, si elle-même n'est pas respectée, demain vous n'aurez pas de garantie et le premier emprunt n'aura pas été remboursé. Donc c'est cette histoire au niveau de l'homme que vous devez transposer au niveau des États. Dernièrement, la réunion qui a eu lieu à Bangui, c'était à la suite de ça. C'était le poids de l'endettement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il dévaluer le franc CFA pour résoudre le problème de l'endettement? Ou comment procéder? Or, s'il faut dévaluer, il faut dévaluer. Mais à ce moment, quand on dévalue, ces produits seront moins chers à l'étranger. Donc, seront achetés plus vite. Absolument. Mais qu'avons-nous à exporter pour que ça se vende vite et en grande quantité? Ce ne sont pas des produits industriels. Vous ne tournez pas la machine pour en augmenter la quantité. Non. Donc, nos produits ne permettent pas une dévaluation qui puisse rapporter. Et qu'est-ce que les chefs d'État ont décidé? Et sans que je sois chef d'État, j'apprécie la sagesse. Ces États ont dit en réalité, importation pour importation, si nous voulons importer... Et à la dimension de nos moyens, réduisons les importations inutiles. Vous prenez un sous-directeur, vous lui donnez une Pajero de 82 millions. Et ça rapporte quoi à l'économie camerounaise? Vous voyez deux individus dans une voiture, qui peut-être c'est la première fois même qu'elle y entre, et l'État s'épuise. Mais l'importation a déjà eu lieu. Le yen, puisque les Toyota viennent du Japon, le yen a été acheté
et vous avez épuisé votre réserve des devises qui est gérée en France. Donc, c'est tout cela qu'il faut réfléchir. C'est des indices. On peut informatiser ça et mettre des lignes, des barres rouges. Attention, par ici, pour son tel indice, par cela, etc. Non ? Ah non, vraiment. Non, mais il y a des moments où c'est ridicule et ça me fait rire à voir certains responsables. Alors, monsieur le ministre, nous sommes dans une dizaine de minutes, hein, pratiquement, on en sera à la fin de l'émission. Je vais vous donner trois noms progressivement. Oui. Vous me direz ce que vous en pensez, comment vous les connaissez, quelle appréciation vous en faites. Félix Sabaléko, de Regretter Mémoire. Oui. Vous récitez les trois ou... Non, je commence par celui-là. Félix Sabaléko a été mon patron. D'accord. Félix Sabaléko a été le gouverneur du littoral, l'inspecteur fédéral du littoral. Et il m'a dit quelque chose un jour. Il dit, quand il était inspecteur fédéral, il a traversé le pont sur le Voury et il a pris soin de voir quelle est la longueur du pont sur le Voury. Et un jour, Aïdjo, en visite officielle ici, le prend, il traversait, et Aïdjo lui demande, mais ce pont-là, il fait quel... Et Saba lui a donné ce qu'il savait, il dit, j'étais heureux d'avoir fait ce travail. Et le jour où Aïdjo m'a nommé secrétaire général de la fonction publique, Aïdjo m'avait dit, tu vas travailler, parce qu'il me tutoyait, tu vas travailler avec Saban. Il est l'un des nôtres. Je ne sais pas, l'un des nôtres signifie qu'il est musulman, ou il ne l'était pas. Il est de Marois ou de Garoua, ce qui ne l'était pas. L'un des nôtres signifie que, en fait, il est avec le pouvoir. Sous-entendu, moi-même, j'étais dedans. Alors, ça m'a flatté. Bon, voilà, Sabal, ça, il a été mon patron. D'accord. Et tout ce que je lui ai proposé, Sabal n'a jamais rejeté. J'étais son secrétaire général à la fonction publique. Je lui restais reconnaissant, puisque c'est de là que je suis nommé directeur général de la Banque de Boston. Martin Bangangele. Alors là, ça me gêne parce que c'est un frère. C'est pas parce qu'il est né en Balmayo, moi, en Marois. Bangangele était commissaire de police quand moi je sortais de l'ENAM administrateur civil. Et le 26 juin, je crois, 69, on nous a nommés tous les deux. Moi j'avais 25 ans, lui un peu plus. Lui, rendu sous-directeur chargé de renseignements généraux. Moi, sous-directeur administratif et financier. Et depuis, nous sommes restés comme ça, comme des jumeaux. Et nous nous apprécions réciproquement. Et il est mon frère Bangangele. Et il le restera. Sanda Oumarou. Sanda Oumarou, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont l'ancien morts. Ministre. Mais justement, il y a Sanda Oumarou, l'ancien ministre de Marois, qui est mort, qui était ministre de chez moi. Il a démissionné en même temps que vous, sensiblement à la même période, au début des années 90. Sanda Oumarou de Ngaoundéré. Oui. Il n'a jamais démissionné, on l'a chassé. Ah, d'accord. Non. Il n'a pas de. On dit Kamto a démissionné. Kamto lui-même n'était pas ministre plein. Il était ministre délégué. Le ministre était des porteurs de sac. Hein? Un secrétaire d'État a un domaine de compétences. Un ministre délégué, il attend qu'on lui délègue. Et qu'on me publie ce qu'on lui a délégué. C'est des porteurs de sac. Sanda Oumarou était ministre, un ministre très compétent. Un petit frère, un jeune frère d'âge que moi, mais qui est dégoûté par la politique. Et je crois, à cause de ça, il s'est détaché carrément de tout. J'avais appris qu'il voulait faire de l'élevage, mais ça m'étonnerait parce que Sanda n'est pas un berger. Mais il est devenu un grand directeur général à Meiganga. Vous voyez l'eau pure. D'un commerçant qui n'a pas été à l'école. Absolument. Mais qui utilise les connaissances de Sanda Oumarou. Et Sanda Oumarou s'en sort merveilleusement bien à Meiganga. Aminatou Aïdjo, vous voulez me mettre, c'est ma fille. Tous les YouTube, partout vous allez, vous tapez mon nom, Aminatou va sortir. Vous tapez Aminatou, mon nom va sortir. Je la conseille comme une petite sœur. Vous comprenez ? Absolument. Et je l'apprécie. Quand il y avait eu des élections, je lui avais adressé des piques. Et c'est des élections. C'est normal que je la dénigre pour gagner des voix à Garoua.
Et j'en avais gagné. Je ne sais pas si c'est à cause. J'ai eu 22% à Garoua deuxième. 22%, c'est l'un de mes grands scores. Si on avait si on n'avait pas approuvé mes pics, j'aurais eu moins 22%. Mais on n'a jamais de problème. Et sa mère est comme ma cousine parce qu'elle est la camarade d'une de mes cousines métisse comme elle. Et sa mère, on se parle de temps en temps. Vous croyez-vous au retour de la dépouille du président Idjo? Vous y croyez? Le problème n'est pas que j'y crois ou que je n'y crois pas. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une croyance non plus. Ça dépend de la volonté de la famille. Madame Aïjo, j'en ai parlé. Madame Aïjo, je suis très libre avec elle. Elle est comme si c'était une tante ou une cousine. Je vous dis, elle est la camarade d'enfant d'une de mes cousines, métisse comme elle. Et Madame Aïjo m'a tout dit. Elle dit, je peux revenir quand on veut, mais avec les honneurs dus au rang de Aïjo. Mais je ne peux pas accepter qu'on rapatrie le corps de Aïjo comme un vulgaire type. Elle a parfaitement raison. Quand même, prenez l'Internet, cherchez le discours de Aïjo le jour où il a dit ma conviction, ma profonde conviction, vous verrez un grand homme. Vous comprenez? Et rien qu'après avoir désigné Biya comme son successeur, et que Biya est là avec nous depuis 33 ans, ça fait de lui encore un grand homme avec des mesures de plus. Donc, il peut revenir, mais il faut lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Puisqu'on dit, les gens qui sont morts du maquis, on doit ériger des statues pour eux. On risque d'avoir des champs de statues au Cameroun. Et pour finir, Bello Bouba Maïgari. Non, je ne peux pas me prononcer contre un petit frère. C'est un petit frère qui a son parti, qui me respecte, qui me prend au sérieux. Et nous n'avons aucun problème. Bon, quand l'UNDP voulait m'assassiner en 92, je ne sais pas. Assassiner physiquement ou politiquement? Physiquement, il s'était programmé à Gazawa aux élections de 92. Je l'ai écrit et ils me l'ont confirmé. Et du coup, d'ailleurs, j'ai coupé avec deux des membres de la réunion qui avaient décidé mon assassinat parce que j'étais très proche de ces deux-là. Ayant participé à cette réunion, j'ai dit croix sur eux et à vie. Je ne peux pas aimer quelqu'un, vivre avec quelqu'un, le mettre dans mon cœur et il participe à un complot, à une conspiration contre ma personne. J'ai mis une croix, mais Bello, je n'ai pas mis de croix sur lui. Je m'en voudrais de ne pas vous demander vraiment la dernière personnalité que je vais citer, Kavaye Gedjibril. Kavaye, d'abord c'est moi qui l'ai proposé pour être ce qu'il est. Président de l'Assemblée nationale. Vous prenez mon livre, Pré-mémoire d'un homme public, vous trouverez la lettre que j'avais écrite au président du RDPC. Okay. Je venais d'organiser les élections législatives de 92 dans l'extrême nord. J'étais au gouvernement. J'étais le seul ministre de l'extrême nord. Les autres étaient des secrétaires d'État ou autres. Et j'avais fait, à l'exception de Yogone et Charlie chez moi, qui a fait toutes les listes. L'UNDP a gagné toutes les régions. Majorité absolue, sauf l'extrême nord. Et j'avais réussi à décrocher 13 députés de l'extrême nord. Et dans ces 13, il y avait le Mayo Saba. C'est moi qui ai fait la liste de Mayo Saba avec Kabayege dans ma maison, chez moi à Maroua, à quartier Makabaye. Et je lui ai dit, je ne te mets pas en tête parce que tu n'es pas populaire. Je mets Ababoukar. D'abord, il est mandala, et c'est les mandala qui sont les plus nombreux. Et je te mets en deuxième position. On s'est entendu. Et quand j'ai eu 100% des quatre candidats du Mayo Saba, et chez moi, à Maroua, j'ai eu zéro, j'ai dit, je vais me venger contre mes frères de Maroua. Je vais mettre ce qu'ils appellent un Kirdi comme leader à l'Assemblée. Et j'ai proposé que Kavaï devienne premier vice-président de l'Assemblée parce qu'il était question que Assou Assidi devienne président de l'Assemblée. J'étais sûr, mais entre-temps, les anglophones changent de position. Ils disent ils veulent plutôt le premier ministère. Je n'étais pas au courant. Et ils montaient ma proposition pour faire de Kavaï le président de l'Assemblée nationale. Et du coup, pour m'écarter indirectement, parce que dans la même région,
On dit deux crocodiles mâles ne peuvent pas vivre dans une même mare. Absolument. Alors donc, voilà comment Kaboyé est devenu président de l'Assemblée. Il le sait. Un jour, il m'a remercié à son domicile. Il a réuni tous les Kirdis qui travaillent chez lui. Quand on dit Kirdis, c'est montagnard, ce n'est pas injurieux. Absolument. Il les a réunis, il dit, si vous êtes ici, c'est à cause de moi, lui Kaboyé. Si je suis ici, c'est à cause de ce monsieur. Personne ne m'a rendu un tel hommage que Kaboyé ce jour-là. Bon, maintenant, il est là, il fait son travail, tant bien que mal, mais je crois que le temps... Vous partagez cette phrase populaire, ils sont parmi nous. Non, mais je n'aime pas la légèreté. Quand on est d'un certain niveau, on doit éviter d'être léger. S'il dit, les Boko Haram sont parmi nous, il n'avait pas besoin de les dire à l'Assemblée. Il appelle Barganguelé, il appelle Bokam, il appelle le ministre de la Défense, où il fait un mot au président de la République, monsieur le président, l'histoire de Bokam, voilà comment ça se passe. Il n'avait pas besoin de ces enfantins, que ça soit vrai ou faux, c'est enfantin. Et s'il n'avait pas l'immunité parlementaire, moi j'aurais dit, appelez-le, dites-lui. Pourquoi on a arrêté le journaliste? On dit il savait, il n'avait pas voulu dire. Kaboyé savait et n'a pas voulu dire. Peut-être après la fin de son mandat, quand il n'aura plus d'immunité, peut-être on l'arrêtera pour en rajouter à bas. Monsieur le ministre. Monsieur le directeur de l'information, je voudrais corriger une chose. Au début, vous avez dit deux choses. Un, ministre d'État. Non, j'ai été ministre chargé du contrôle de l'État, ministre de la fonction publique, ministre chargé de la réforme administrative. Mais ministre d'État, pas encore. Et je vais d'ailleurs sauter cette étape en devenant directement président de la République. Et je m'en voudrais également de ne pas corriger, je ne suis pas directeur de l'information, mais je le prends sincèrement comme un vœu de votre part, et je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. Tu le seras. Merci, monsieur le ministre. J'ai décidé que tu le seras, et on va faire le concours entre ma réussite comme président de la République, et je crois que vous viendrez un peu avant moi. Sincèrement, merci. Non, en tout cas, félicitations pour le travail que vous faites. Merci. Et je suis toutes les télévisions de notre pays. Elles sont très, très bien gérées. Bon, je vous vois, vous les jeunes. Je cause avec vous. Je connais certaines ambitions. Il y en a qui m'ont tout dit. Toi là, qu'est-ce que tu vises? Je cause sincèrement de la manière la plus profonde. Et ils me répondent. Certains disent, moi là où je suis, je vais devenir président de la République. Absolument. J'ai dit, est-ce que tu crois que parce que tu parles et qu'on te regarde en Guinée équatoriale, au Gabon, où tu vas être, c'est comme celui qui dit, il a enseigné, il sera élu. Est-ce que c'est les élèves? Quel est le taux de tes élèves qui constituent le corps électoral? Donc, tout ça, c'est, il faut réfléchir et mettre la réflexion, l'appliquer sur le terrain et en mesurer le poids. Quel grain ça représente dans l'ensemble. Bon retour sur Yaoundé. Merci beaucoup, monsieur, et bon travail à la STV et tous mes encouragements et toutes mes félicitations. Merci encore. Merci à vous également, chers amis, qui êtes restés regarder cette autre édition. J'ai failli dire très riche avec Garga Aman Adi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre édition de Entretien avec. Bonsoir. STV, your TV.